Sa réputation allait grandissant. De plus en plus de personnes parlaient de lui. On entendait dire toutes sortes de choses à son propos. Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait. Il paraissait même qu'il avait fait des choses extraordinaires. À tel point que lorsque l'on savait qu'il était en quelque part, les gens accouraient pour pouvoir l'entendre, se disant peut-être qu'aujourd'hui, il fera quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'aujourd'hui, nous aurons la chance d'assister à un miracle. Et alors que Jésus commençait son ministère en Palestine, bien au-delà de Jérusalem, les gens parlaient de lui. Parfois avec curiosité. S'il prétend enseigner, parler des choses de Dieu, s'il fait des miracles, comment pouvons-nous savoir qu'il vient vraiment de Dieu? Comment savoir si cet homme est un envoyé de l'Éternel? Alors, il a commencé à réfléchir, à observer ses attitudes. Est-ce que Jésus fréquentait régulièrement le lieu de culte? Priait-il? Faisait-il tous les rituels habituels que les hommes spirituels, que les leaders religieux accomplissent? Et très rapidement, ils ont remarqué qu'il y a quelque chose que Jésus ne faisait pas. Ils ont remarqué que ni Jésus, ni ses disciples ne jeûnaient. En effet, en Israël, le jeûne était devenu quelque chose d'important dans la vie religieuse. Notamment après l'exil babylonien, eh bien, les lundis et les jeudis. Et les disciples de Jean le Baptiste, les pharisiens et les autres responsables religieux, eh bien, observaient scrupuleusement ces deux jours de jeûne. C'était une sorte de garant de spiritualité, de religiosité, où on s'appliquait à vivre la foi avec le maximum de respect possible pour la tradition. D'ailleurs, on a même dû inventer un livre qu'on appelle le rouleau des jeûnes pour qu'on ne jeûne pas certains jours. Et ce livre explique les raisons pour lesquelles il y avait 35 jours dans l'année où on ne devait pas jeûner. Tellement le jeûne était largement répandu dans la pratique religieuse de l'époque. Pourquoi Jésus ni ses disciples ne jeûnaient-ils pas le lundi, ni même le jeudi? À force de réflexion, l'une des personnes a osé poser la question: Jésus, pourquoi ne jeûnes-tu pas comme le font les responsables religieux, les hommes et les femmes qui sont en quête de spiritualité? Et là, Jésus va leur répondre de manière assez surprenante, en illustrant son message, en disant que lorsque les mariés sont présents, jour de fête, de réjouissance, il n'y a aucune utilité de jeûner. Jésus n'était pas contre le jeûne, la preuve. Il a commencé son ministère par un jeûne de 40 jours. Mais néanmoins, Jésus va leur expliquer que chaque action religieuse doit avoir une portée particulière, un sens. Et que d'accumuler les actions religieuses les unes après les autres, juste pour respecter la tradition, juste pour respecter la manière de faire habituelle, n'a pas de sens. Et que si l'on fait quelque chose, que ce soit un chant, une prière, un jeûne ou autre, que cela doit entrer dans un cadre plus large, dans le cadre d'une vision particulière. Jésus avait une mission, et dans le cadre de cette mission, il mettait tout en œuvre pour pouvoir tendre vers ses objectifs, ce but, la mission qu'il avait à accomplir durant son ministère terrestre. Il ne s'embarrassait pas de la tradition, il a même osé ne pas jeûner deux fois par jour.
Deux fois par semaine, pardon. Et cela nous interpelle encore aujourd'hui. Quel est le sens de nos pratiques religieuses? On prie parce que une charmante personne sur l'estrade nous a demandé de vous mettre debout pour prier. Ça a quel sens pour vous? On chante parce qu'on nous le demande. On va à l'église et on va remplir ainsi, jour après jour, sabbat après sabbat, un certain nombre d'actions religieuses sans forcément s'interpeller par rapport au sens que nous leur attribuons. Il en va de même pour les départements. Puisqu'il y a un département de l'école du sabbat, eh bien, on va mettre en place des actions au niveau de l'école du sabbat. Puisqu'il y a un département lié à la prière, à la musique, à la liturgie, à l'évangélisation, et c'est la raison pour laquelle les responsables se sont réunis il y a quelques mois de cela, au mois de mars, pour se poser la question au sein de leur équipe. Toutes les actions que nous voulons mener, tout ce que nous voulons faire, qu'est-ce que ça va nous apporter? Quel est le sens? Quelle est notre vision par rapport à ce que nous voulons proposer à l'Église pour l'année ecclésiale à venir? Où voulons-nous aller? Et alors que les programmes vont se démultiplier durant l'année à venir, tous les départements ont des projets, des programmes, des actions auxquelles ils vous invitent. Eh bien, ils ont voulu réfléchir et mettre en mots leur rêve, leur vision pour leur département. Il ne s'agit pas de proposer une succession d'actions juste pour les faire, parce qu'ils veulent tendre vers un but. Et ce matin, je leur ai demandé de pouvoir prendre le temps, quelques secondes, pour vous dire en une phrase ou deux quelle est leur vision pour leur département pour l'année à venir. Je vais les inviter donc à venir un après l'autre. On commencera par l'école du sabbat. Elle nous dira en une phrase ou deux la raison d'être de tout ce qu'il vous proposera durant l'année à venir. Voilà, je vous invite à lire ensemble cette vision qui a été exprimée par cette phrase que l'école du sabbat, nous pourrions dire que l'étude de la Bible permet à chaque participant de découvrir pleinement par l'étude personnelle et l'échange l'amour de Dieu et sa volonté afin de développer une confiance active en Dieu et en son prochain. Autrement dit, cette vision ne concerne pas un responsable, une équipe, mais nous concerne tous par l'étude personnelle. Et l'école du sabbat, la qualité de l'école du sabbat dépendra de la qualité de ce que nous en faisons durant la semaine, la façon dont nous étudions durant la semaine. Alors, en d'autres mots, on pourrait dire que le souhait de l'école du sabbat, c'est qu'ensemble, inspirés par le même esprit, nous imitions le Seigneur Jésus qui a toujours fait la volonté de son Père et qui a pleinement incarné son amour. C'est le souhait de l'école du sabbat. Jacob dit à Joseph, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. » Écoute, Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Oui, il y a une façon complète d'aimer et une façon complète de vivre. Et cette santé totale, dans les trois dimensions de notre être, nous vous la souhaitons avec Jean, bien-aimé. Nous souhaitions que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Bonjour à tous. Le ministère de la prière n'a
qu'une vision ultime pour cette année. Que chacun d'entre vous, que l'Église soit une Église passionnée de prière. Bonjour à chacun. L'évangélisation n'a qu'un rêve cette année, c'est de construire une Église où chacun, vous, partagiez votre espérance avec votre famille, vos collègues de travail et aussi avec cet inconnu. Bonne année à tous. L'objectif du département communication est de développer donc la communication pour l'Église, au sein de l'Église, des différents départements, mais aussi vers l'extérieur de l'Église. Et l'outil essentiel, ce que nous voulons développer cette année, sera le canal numérique de transmission, le site, mais aussi une page Facebook et éventuellement un compte Twitter. La vision du département musique et liturgie, que ce département soit un support actif au service de la louange et de l'adoration pour tous les membres, jeunes et moins jeunes de notre Église, et aussi et surtout un moyen efficace d'accès à l'Évangile pour les non-croyants. Bonjour à tous. Je me fais le porte-parole des animateurs des 6 sections du département de l'école sabbat des jeunes qui veulent donner le goût aux enfants de découvrir Dieu et de le suivre à travers les 5 sens. Le département famille est conscient que l'église de Neuilly est le reflet de ce que sont les individus et les différentes familles de cette église. Et nous avons comme vision de contribuer au bien-être et à l'épanouissement de chaque individu, de chaque couple, de chaque famille, pour que chacun se sente mieux et à l'aise. Le département de l'éducation est au service des membres de la communauté pour les assister en matière de scolarité des enfants, et aussi pour entamer avec eux une réflexion de manière plus générale sur les problèmes de l'éducation chrétienne. Bonjour, le département de la femme a une vision: aider les femmes à rayonner, à s'épanouir et à se développer au sein de l'Église, de leur famille et de leur entourage. Pour le département diaconat, la vision de cette année, c'est de sensibiliser tous les membres et les inciter à s'investir dans le département de diaconat. Bonjour à tous. Alors, pour le département du ministère auprès des enfants, notre vision, c'est d'accompagner l'enfant dans la lecture de la Bible, dans la vie de prière, dans l'adoration, dans le témoignage et dans le service. Bonjour à tous. Département de trésorerie, un département de service. Vous savez que l'Église fonctionne essentiellement, j'ai envie de dire exclusivement, grâce à la générosité de ses membres. Et notre vision pour ce département, c'est de gérer ces fonds et de les administrer pour pérenniser le fonctionnement de l'Église, mais aussi supporter tous les projets des départements pour aider à la croissance de l'Église. Bonjour à tous. Au niveau du département de la jeunesse, notre vision est la suivante, celle d'avoir des jeunes acteurs de l'Église engagés pour servir Jésus tout en gardant bien sûr leur identité, afin qu'ils soient donc au centre de l'Église, unis avec elle et œuvrant de manière intergénérationnelle, car ils ne sont pas trop jeunes pour servir Jésus. Notre vision se traduit en 2 volets. Le premier, c'est de faire sortir les jeunes en fait de la case jeune pour qu'ils soient considérés comme membres de l'Église à part entière.
car c'est ceux qui vont œuvrer dès aujourd'hui pour les changements qui nous conduiront à l'Église de demain. Et le deuxième axe, c'est de vous intégrer, membres de l'Église, dans les activités de la jeunesse adventiste pour vous faire découvrir ou redécouvrir la JA. Trois hommes étaient au pied d'une falaise et il semblait qu'ils étaient en train de casser des cailloux. Ils avaient en main toutes sortes d'outils, plusieurs types de marteaux, de burins. Et là, ils tapaient sur des pierres, ils cassaient des pierres. Tous les trois avec leur propre style, leur propre passion. Et un homme qui passait le long de cette falaise a été interpellé par l'action de ces trois hommes et a voulu leur demander ce qu'ils faisaient. Et s'approchant du premier, il leur a demandé « Oui, mais que faites-vous ?» Il lui a expliqué « Vous voyez, il y a ce rocher ici et j'essaie de le tailler pour en faire des surfaces les plus lisses possibles, les plus planes possibles, formant un beau cube. Je vais tailler cette pierre de manière à pouvoir en faire une pierre utile, belle à voir, agréable et bien lisse. » S'approchant vers le deuxième, lui a dit « Et vous, que faites-vous ? » Il lui a dit « Au moins, je taille, j'agis, je travaille, parce que je veux construire un mur. Et donc, je taille ces pierres de manière à pouvoir avoir les éléments nécessaires pour construire un mur qui soit solide, fort et capable de nous protéger. » S'avançant vers le troisième, il lui a dit « Vous, que faites-vous ? » Il lui a dit « Moi, je travaille pour construire une cathédrale. » Nos trois hommes, nos trois tailleurs de pierre, faisaient la même action, mais avec une vision complètement différente l'un de l'autre. On peut s'arrêter à la vision de la pierre que l'on taille. On peut voir un peu plus loin le mur qui sera construit grâce à cette pierre. Ou encore plus loin, l'édifice qui au final servira à adorer Dieu. Et la question qui nous est posée ressemble à celle posée à ces trois hommes. Nous avons des actions, nous menons des actions, nous menons différents projets, nous avons donc au niveau collectif, au niveau du département, plusieurs événements que nous voulons proposer à l'Église, mais dans quel but ? Cet après-midi, vous êtes invités à venir à cette rencontre qui a été souhaitée, où nous discuterons ensemble des différents projets, des différentes visions de l'Église, afin de pouvoir ensemble tendre vers cette construction que nous voulons ensemble mener pour l'Église de Neuilly. Mais au-delà des départements, cette question nous concerne tous au niveau personnel. Si vous priez, si vous chantez, si vous venez à l'église, si vous continuez sabbat après sabbat, semaine après semaine, à avoir une pratique religieuse, cela rime à quoi? Quel sens voulez-vous donner à tout cela? Avez-vous une vision personnelle pour votre vie spirituelle? Êtes-vous en train de construire des pierres, de tailler des pierres, de construire des murs ou de construire une cathédrale? Paul a dit dans son épître aux Corinthiens, votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Quelle est notre ambition personnelle pour la construction de ce temple que nous sommes? Alors que nous commençons une nouvelle année ecclésiale, j'aimerais vous inviter à réfléchir à la vision que vous donnez à votre vie spirituelle personnelle. Allez-vous vous contenter de venir à l'église sabbat après sabbat, d'étudier la leçon de l'école du sabbat, jour après jour, de prier, de chanter? Ou voulez-vous aller un peu plus loin pour donner du sens à cela ?
Je voudrais souhaiter nous inviter à nous poser quelques secondes et à réfléchir. Durant cette année ecclésiale à venir, au-delà du fait de chanter, de prier, de venir à l'église, qu'est-ce que j'aimerais faire, construire? Où voudrais-je aller pour que la fin de cette année ecclésiale, spirituellement, je sois plus avancé, plus fort, plus enraciné, plus ancré en Dieu, dans une communion plus intime, plus forte? Quelles sont mes ambitions? Quels sont mes objectifs? Quelle est ma vision personnelle pour ma vie spirituelle? Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Un temple que nous voulons beau à regarder, agréable, utile pour nous et pour les autres. Et mon souhait pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que nous puissions sortir de ce lieu avec une vision personnelle. Alors je vais me taire pendant quelques secondes et je vais vous inviter à réfléchir et à vous poser la question: qu'est-ce que j'ai envie pour mon temple, pour ma relation avec Dieu durant cette année? Quel sens est-ce que je veux donner à ma pratique religieuse durant l'année à venir? Je me tais et je vous laisse y réfléchir. Puisse Dieu bénir la vision à laquelle vous avez pensé en cet instant. Puisse-t-il déverser sur vous durant cette année toutes sortes de grâces, afin que vous puissiez sans cesse tendre vers celle-ci. Et que chaque fois que vous serez amené à prier, à chanter, à venir à l'église, à accomplir une action religieuse, que cela puisse contribuer à faire de vous, non pas de simples tailleurs de pierre, non pas de simples constructeurs de murs, mais plus encore, des bâtisseurs de temples, du temple de votre corps, temple du Saint-Esprit de Dieu. Amen.